Bonjour à tous, bonjour Église en Action, bonjour toi qui es à l'église, toi qui es chez toi. J'espère que tu vas bien, que ce matin tu es encore en forme pour passer du temps dans la présence de Dieu avec nous. Là, nous sommes toujours là, dans la joie, dans la bonne humeur, toujours. Et ce matin, on va passer un temps glorieux, je le crois, dans la présence de Dieu. On va prier, je t'invite à prier avec nous, qu'on remette ces temps dans les mains de Dieu. D'accord? Rien ne peut se faire sans la présence de Dieu. Rien ne peut se faire si on ne prend pas le temps d'appeler Dieu, si on ne prend pas le temps de consulter Dieu. Et ce matin, je veux que tu pries avec nous, que tu sois à l'église ou chez toi. Prends le temps, prie avec nous et dis au Seigneur, Seigneur, ce matin, je veux que tu me bénisses encore. Je veux que ta présence, Seigneur, m'environne encore une fois. Encore une fois, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que ta présence nous fait du bien. Ta présence nous a fait du bien, nous fait du bien et nous fera encore du bien. Je rends gloire à ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Je bénis, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui sont présentes, Seigneur, mon Dieu, à l'église, qui sont chez eux, Seigneur, pour écouter ta parole, pour passer du temps dans la louange, dans l'adoration. Père, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Seigneur, notre prière de ce matin, c'est que tu nous fasses du bien. Que tu instaures la paix dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, dans cette atmosphère, dans cette douce atmosphère, nous voulons élever vers toi des chants de louange, des chants d'adoration. Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi, Père. Nos cœurs sont tournés vers toi. Alléluia. Alléluia. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Repartir dans la paix. Il y a une douce harmonie. Yes. Dans le sanctuaire. Il y a un calme. Seigneur, le calme que tu nous donnes dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Pour nous donner l'espoir et pour nous relever.
matin peut avoir dans son cœur. Que cette personne ne reparte pas d'ici. Que cette personne ne reparte pas de ta présence avec ce poids dans son cœur. Avec ce poids dans son cœur. Il y a une douce. Seigneur, instaure ta paix. Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence. Dans le calme, Seigneur. Dans cette atmosphère. Dieu t'invite, viens déposer tes fardeaux. Viens déposer tes fardeaux au pied du Père, au pied du Maître. Dans le sanctuaire. Car Jésus est là. Car Dieu est là. Oui, il est là. Avec conviction et tu crois fermement dans ton cœur que Dieu est réellement là, que Dieu est réellement avec toi là où tu es présentement. Amen. Alléluia. Et tu réponds car Dieu est là. Alléluia. Oh, 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 car tu es là. Encore. Car tu es là. Tu es là, Jésus.
est là, Jésus. Toi, oh Dieu,
deuxième dimanche du mois, certains sont au courant, bonjour à tous, j'organisais, je servais le Seigneur toute la journée, je rentrais à 19h après les cultes, 19h, 20h, et j'avais encore une réunion d'organisation, de gestion pour le camp Echo. Et quand je rentre, j'ouvre la porte, pour certains qui sont au courant, j'ai vu mon plafond tomber. Vous voyez, hein? Le plafond de sur 1 mètre de long et 15 cm de béton qui sont tombés. J'ai dit, bon, le diable n'est pas content. Hein? On sert le Seigneur et le monde spirituel existe, vous voyez. Et il y a eu des révélations par rapport à cela où Dieu m'a encouragé pour dire, cette épreuve-là, je vais me glorifier à travers cela. Effectivement, le diable n'est pas content de ce que tu as fait. Tu avances, tu prêches, tu organises. On organisait aussi le jeûne de 7 jours, de jeûne et prière avec la jeunesse, tout cela. Et là, on a vu que j'ai dérangé le monde spirituel. Et que Dieu a dit, non, mais t'inquiète pas par rapport à ça. Il y a des choses que j'ai prévues pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que le chant que mes frères et sœurs ont pris, on dit, il est là dans le feu. Il est là dans l'épreuve. Dans ton épreuve, Dieu est présent. Et il veut utiliser l'épreuve pour te faire monter plus haut. Dis avec moi, plus haut. Plus de foi. Plus de force. Plus de puissance. Amen. Amen. Ah, il est prêt, le peuple est prêt. Ça fait plaisir. Alors, je vais prêcher parce que sinon je vais prêcher un autre message. Il faut que je prêche quand même le message. Tu es d'accord ou pas? Si tu n'es pas d'accord, je vais prêcher quand même. Alors, c'est pour cela que je vais parler. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher avec le feu. Le feu, c'est la puissance, c'est le power. Je vais prêcher avec l'eau. L'eau, elle vient et elle rentre dans ton âme. Elle descend, elle est subtile. Mais elle est capable d'irriguer tout ce qu'il y a dans ton corps, dans tes os et dans ton cerveau. Et de te laver et de te purifier. Mais l'eau aussi a une puissance, puisque ce qui s'est passé en haut dans mon plafond, c'était un dégât des eaux. C'est l'eau qui a fait qu'il rentrait dans le béton pendant des mois et des mois, qui a fait que l'eau était tellement initiée dans le plafond qu'il est tombé. L'eau est plus forte que le béton. Donc, ce matin, Dieu va faire une œuvre par rapport à l'eau de sa parole dans ton cœur, pour te laver et te purifier, nous sanctifier et nous aider. Tout est sanctifié par la prière. Oh, 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 oh. Tout est sanctifié par la prière. Ah, il faut finir le verset. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Donc nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Alors on va prier simplement. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps, pour ce moment. Que ton esprit agisse dans nos vies. Aide-moi à porter ce message par la grâce du Saint-Esprit et fais du bien à chacun par l'eau de l'Esprit de ta parole à travers ceux qui sont sur place et ceux qui écoutent à travers Internet au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que nous sommes le premier dimanche du mois? Nous sommes en février. Et il y a déjà un mois qui est passé, 1/12 de l'année est passée, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as passé un bon mois de janvier? Est-ce que le mois de janvier, tu as accompli tes résolutions? À tes résolutions sera le succès. Et on commence l'année tout feu, tout flamme. Hein? Ah, je vais faire ci, je vais faire ça, Seigneur. Bon, maintenant, on est le premier mois écoulé. Où tu en es? Est-ce que tu avances bien? Est-ce que ça se passe bien? Moi, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Mais je veux juste t'encourager à se dire, ah oui, quand même, hein, il y a un mois qui est passé. 1/12 de l'année, moi, j'ai l'impression que jour de l'an, Noël, c'était hier. La bonne année, c'était hier. Ça va vite, la vie va vite. L'année va vite. Donc, avançons avec la grâce de Dieu. Proverbe 4, verset 7 nous dit, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Comment augmenter ta sagesse en 2023 ?» Comment que chacun d'entre nous, nous avons besoin de grandir dans la sagesse de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de grandir dans la sagesse? Parce que la sagesse de Dieu est illimitée. La sagesse de Dieu est d'une profondeur sans fin. Et nous, nous devons développer cette connaissance, cette grâce d'avancer et de grandir dans la sagesse. La sagesse va te permettre de réussir ta vie de famille, ta vie pour gérer tes enfants, ta vie de travail, ta vie de service, ta vie de relations amicales,
ta relation sentimentale, ta vie maritale. En fait, dans tous les domaines, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Mais la sagesse de Dieu te permet de réussir dans tous les domaines. Et Dieu veut que tu réussisses dans tous les domaines. Dis avec moi, tous les domaines. Dis avec moi, tous les domaines. Alléluia. Alors regarde, Proverbe 8, verset 11 à 12 nous dit, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir la science de la réflexion, de la compréhension de la parole de Dieu? Et peut-être que toi, tu t'appelles Sophia. Est-ce qu'il y a des Sophie ici? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des Sophia par Internet? Et vous savez que toi qui portes le nom de Sophia, Sophie, ça veut dire sagesse. Tu portes le nom sagesse en grec. C'est pour ça qu'on dit philosophie, philo, l'amour, Sophia, de l'amour de la sagesse. Que nous soyons des amoureux de la sagesse de Dieu, de la parole de Dieu. Et nous savons que Jésus a opéré particulièrement dans la sagesse, puisqu'il nous est dit en Ésaïe chapitre 11, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. » Esprit, premièrement, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, de la crainte de l'Éternel. La première manifestation que l'Esprit de Dieu a agi à travers Jésus, c'était l'Esprit de sagesse. Ça nous montre encore l'importance que l'Éternel met sur la sagesse. En hébreu, la sagesse, c'est le mot « chokma », C-H-O-K-M-A, qui parle de prudence, de l'art, dans l'administration, dans la vie morale, dans la vie religieuse. Ou encore, la définition du Larousse me dit que c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, averti dans ses décisions et dans ses actions. C'est la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et avec modération. C'est le caractère de son action. Alors je te dirais, la question que je te pose, c'est est-ce que tu es quelqu'un de sage? Est-ce que tu es une femme sage? Est-ce que tu es un homme sage? Est-ce que nous sommes des gens sages? C'est toi-même qui réponds dans ton cœur. De toutes les manières, là où nous en sommes, nous avons besoin de progresser avec le Seigneur. Ça, c'est une évidence. Et j'ai besoin de progresser avec le Seigneur, comme tout homme sur terre. La sagesse aussi, c'est la capacité à comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Elle donne aussi la capacité, la sagesse, à résoudre les problèmes. Pour résoudre les équations, les problématiques qui sont dans la vie, et on sait qu'on a tous à faire face à des problèmes. Si tu n'es pas dans un problème, tu vas faire face à un problème, parce que c'est la vie, que ce soit pour toi, ta famille, tes amis. Donc la sagesse te permet de résoudre les problèmes pour toi, mais la sagesse te donne aussi de conseiller les autres dans les problèmes. Donc c'est quelque chose de fondamental, et c'est une des qualités les plus importantes pour diriger, pour conseiller, pour organiser. Et nous, les pasteurs, nous avons besoin de beaucoup de sagesse. Pourquoi ? Parce que quand nous faisons les entretiens pastoraux, les gens viennent auprès de nous avec des problématiques, avec des questions, avec des demandes. Et à ton conseil, il peut prendre cette direction ou cette direction. Donc, c'est une des choses que nous prions le plus, en tout cas que moi, je prie le plus par la grâce de Dieu. Donne-moi, Seigneur, la sagesse pour aider le peuple, pour conseiller, que ça ne vienne pas de moi, mais de ton esprit. Matthieu 5, 48 dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est arrivé à la perfection? Il n'y a personne qui est arrivé à la perfection. Mais il nous dit de tendre vers la perfection. Et pour tendre vers la perfection, j'ai besoin de cette sagesse qui vienne de l'Éternel pour aider à avancer. Alors dans le monde animal, dans le monde séculier aussi, il y a l'animal qui représente la sagesse, ça j'ai appris dans mes recherches. Est-ce que tu sais c'est quel animal? C'est la chouette. C'est étonnant, la chouette qui était un animal aussi qui était très apprécié des Grecs et qui a donné aussi le nom de l'Europe dans laquelle nous sommes. Et on voit que la chouette est capable de voir dans le noir, a une clairvoyance et cette compréhension de démasquer l'hypocrisie, démasquer les tromperies de tout ce qui est mauvais. On voit ça dans le monde séculier intéressant. Mais dans le monde spirituel aussi, il y a un animal qui nous enseigne la sagesse, c'est la fourmi.
Et ça, il nous le dit dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 6, verset 6. On peut le lire ensemble, Proverbes chapitre 6, verset 6. Et on voit que pour augmenter ta sagesse, tu peux regarder la vie, regarder la nature, regarder les animaux, regarder leur fonctionnement. Et il nous dit maintenant, l'Esprit de Dieu dit à travers Salomon, qui a écrit le livre des Proverbes, le fils de David, « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. » Donc, je vois que la sagesse est en opposition avec la paresse. Un peu de sommeil, un peu de sommeil, et la disette va arriver très rapidement. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Donc on voit bien ce parallèle qui me dit que quelqu'un qui n'aime pas travailler, quelqu'un de paresseux, c'est quelqu'un qui n'est pas sage. Parce que la fourmi, elle est travailleuse. La fourmi, elle est visionnaire. La fourmi, elle anticipe l'été. Elle met de côté pour déjà prévoir pour les coups difficiles. Quelqu'un qui est dépensier. Tu as de l'argent, tu dépenses tout ce que tu as. Ah, je dépense. Après, tu es tout le temps découvert. Mais apprends à gérer l'argent. Apprends à mettre de l'argent de côté parce qu'il y aura des coups durs dans la vie. Il y aura des situations où tu auras besoin d'avoir de l'argent pour réparer ta voiture, réparer ton plafond, réparer ton frigo. Mais si tu n'as rien de côté, tu es là, tu es face au problème. Ah, et après tu cries Seigneur. Seigneur te dit, mais aie de la sagesse. Je te donne un salaire chaque mois. Gère ton salaire. Est-ce qu'on peut parler? Je vais parler ou pas? Ça va parler avec quelqu'un aujourd'hui. On va parler aujourd'hui. Ok, il faut que je sois condensé aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok, premier point, pour grandir dans la sagesse de Dieu, il faut la crainte de Dieu. Qu'est-ce que nous dit Proverbes chapitre 9, verset 10? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des siens, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront, dit le Seigneur. À travers la sagesse, et que les années de ta vie augmenteront. Tu es sage, si tu es sage, c'est pour toi. Et si tu es moqueur, tu emporteras seule la peine. Donc on voit bien que quand tu développes cette sagesse surnaturelle de Dieu, la sagesse de Dieu, le premier bénéficiaire de la sagesse, c'est toi. Dis-moi amen. Tu reçois cette sagesse, tu es au bénéfice. Dieu augmente tes jours, il multiplie la bénédiction sur ta vie. Toi-même, tu gères la bénédiction. Parce que Dieu nous donne d'être responsables de nos vies. Nous sommes responsables, mais il donne maintenant tout ce qu'il faut pour réussir. Alléluia. Il te donne son esprit, il te donne sa parole, il te donne des conseils pour que tu puisses opérer dans le monde naturel et dans le monde spirituel. Alléluia. On ne doit pas simplement, alléluia, parler en langue, les jeûnes et prières. On doit opérer dans le monde naturel. On doit opérer dans le travail. Il faut qu'on voit que tu es un homme sage. Il faut que les gens autour de toi voient la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parce que la sagesse, ça se voit. Tout le monde voit si tu es quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Tu sais pourquoi? Parce que quand Adam est tombé dans le jardin d'Éden, il a pris un fruit. Et ce fruit était quoi? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc en nous là, tout homme sur terre a la connaissance du bien et du mal. Donc quand tu vois les autres, tu es capable de voir ça, c'est pas bien. Après tu veux te perdre, tu peux te dire, ah ouais, mais c'est pas grave. Mais au fond de toi, tu sais que c'est pas bien. Alors, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas une peur terrible du Seigneur en disant, oh. La crainte de Dieu, c'est une révérence, c'est une souveraineté, c'est une compréhension de que Dieu est Dieu. Que Dieu est sur son trône et je suis sur terre, je suis poussière, je retournerai à la poussière. Maintenant, de quoi que je fasse dans ma vie, mes paroles, mes actions, mes attitudes, il y a quelqu'un qui l'entend. Il y a quelqu'un qui le voit. Il y a quelqu'un qui me connaît. Il y a quelqu'un qui sait qui je suis. Il y a quelqu'un, il y a toujours une vidéo du ciel sur ma vie. Sur ta vie, mais sur ma vie, sur la vie de chacun d'entre nous. Une fois qu'on réalise cela, ça donne de la crainte. Hein? Tu n'agis pas pareil. Hein? On dit, quand, quand, quand,
quand le chat n'est pas là, eh ben le chat est toujours là avec le Seigneur. Il y a toujours un chat qui est là. Quand tes parents sont pas là, les enfants à la maison, là, c'est des fois du n'importe quoi. Hein. Mais quand papa rentre à la maison, ah, garde à vous. Ben, le papa céleste est toujours là. Et c'est pour ça que la crainte, c'est la haine du mal. C'est de haïr. Et là, il nous dit, Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous devons haïr le mal sous toutes ses formes, par la grâce de Dieu. L'arrogance, il nous dit, l'orgueil, le vol, la voix du mal, la bouche perverse. Rejette ces choses, rejette le mal, rejette l'orgueil, rejette. Un homme sage ne rentre pas dans cette chose-là. Une femme sage ne rentre pas dans cette chose-là. Décide de dire non à cela. Parce que, vous savez, il y a des personnes. Ça, c'est un signe de la fin des temps. On voit de moins en moins de crainte de Dieu. Il y a une jeune qui me racontait. Ah, tu sais, quand l'offrande passait comme cela, moi, ce n'était pas pour donner, c'était pour prendre. J'ai dit, toi, oui, elle prenait dans l'offrande. À Dieu, tu voles Dieu. Mais va voler au... Hein, va voler le super... Va voler au champ. Alors, je ne t'encourage pas à voler. Hein. Il y en a qui dit, le pasteur a dit, il faut aller voler au champ. Mais comment tu peux voler Dieu lui-même? Tu n'as pas peur. Tu sais que ton souffle de vie, il peut le prendre comme ça, en un clin d'œil. Ananias et Saphira sont morts comme ça. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. La crainte de l'Éternel. Que Dieu nous fasse rentrer et nous fasse grandir dans cela. Parce que, mes frères, mes sœurs, s'il y aurait plus de crainte de l'Éternel, il y aurait moins de bazar dans les églises. Il y aurait moins de bazar dans le monde évangélique. On entend tellement de choses. Oui ou non? On entend tellement de choses. Il y a une sœur qui venait là à l'église, elle m'a dit, pour moi, tous les pasteurs, c'est des voleurs. Elle m'a dit ça, une sœur. Elle m'a dit, moi, j'ai tellement vu de choses. J'ai dit, ah bon? Ben dis donc, ben, on va parler, on va échanger. Mais il y a tellement de choses qui se font. En tout cas, un des points pour grandir, c'est la crainte de l'Éternel. Deuxième point, la lecture de la parole de Dieu. Ce livre est un livre surnaturel. Ce livre est un livre rempli de la sagesse. Et dans ce livre, il y a tous les conseils que tu as besoin pour réussir ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Ce livre, tu sais, il y a des historiens peut-être ici, il y a des gens qui apprennent l'histoire. Plus tu lis l'histoire, plus tu connais l'histoire. Plus tu étudies la géographie, plus tu vas apprendre la géographie et opérer dans la géographie. Mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. Plus tu connais la parole de Dieu, plus la parole de Dieu, tu t'en nourris, plus elle va agir dans ta vie. Et il faut que tu sois un connaisseur de la parole de Dieu et quelqu'un qui assimile, qui assimile, qui assimile. Puis après, quand va venir des situations dans la vie, tu sauras comment Jésus a agi dans cette situation-là. Parce que si tu n'as pas la connaissance, comment le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu as lu si tu ne l'as pas lu? Et alors que tu es dans la situation, le Saint-Esprit te rappelle, ah, Jésus, il a agi comme ça. Alors moi, il faut que je change ma manière de faire. Je ne dois pas me comporter comme ça, mais je dois me comporter comme Jésus s'est comporté. Et on sait qu'entre ce que Jésus, comment il a fait, et nous, et moi, comment je me comporte, est-ce qu'il y a un delta? Il y a un delta? Allô? Vous êtes là ou pas? Des fois, il va avoir un delta. C'est pour ça qu'il y a les petits bracelets. Vous vous souvenez les petits bracelets? What will Jesus do? Vous vous souvenez ou pas? Les anciens, peut-être. C'est des petits bracelets, là, de toutes les couleurs. Et ça, what would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et je peux t'assurer que si tu te poses des fois cette question-là, dans le moment où tu es dans un problème, dans une situation, ça va t'apaiser. Et tu feras la bonne chose par la grâce de Dieu. Alléluia. Proverbe 4.1, pour ceux qui prennent des notes. Il dit, écoutez mes fils, Dieu qui parle du ciel à ses enfants. C'est le Père Céleste qui parle à ses enfants. Écoute ma fille, écoute mon fils. Déjà, tu peux être dans l'église, tu es assis sur un siège, tu n'écoutes rien du tout. Tu peux être là dans l'église, là, tu viens année après année, ça rentre là, ça sort là. Oui ou non? Donc, Dieu est en train de dire, tu es dans la maison de Dieu,
écoute ce que je suis en train de dire, l'instruction du Père qui est dans le ciel, il te dit encore maintenant, sois attentif à ce que je suis en train de dire. Ton niveau d'attention, on parle aussi d'écoute active, de quelle manière tu écoutes la parole de Dieu, de quelle manière tu écoutes la parole qui t'est donnée, la parole que tu lis, la parole que tu médites, la parole qui est enseignée. De quelle manière? On peut tous écouter de la manière de Dieu, la parole de Dieu de manière différente. Mais il te dit, sois attentif à ce que je suis en train de te dire. Et te dit, je vous donne des bons conseils, ma parole, ne rejetez pas mon enseignement. Donc il est possible que je me rejette la parole que le Seigneur me donne. Il est possible que je rejette la prédication que je suis en train de donner. Je suis possible de rejeter les pensées, les paroles de l'Esprit que l'Éternel est en train de déverser dans mon cœur parce que je ne suis pas un robot, je suis un homme libre de choix et d'agir. C'est le libre arbitre. Si tu as le libre arbitre pour la conversion, tu as le libre arbitre pour obéir à la parole. Alors comment? Comment tu vas opérer selon la parole qui t'est donnée? Comment tu vas agir? Et te dit encore verset 4, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Donc la vie, Jésus est la vie, Jésus est la lumière. Et quand tu prends Jésus avec toi et tu te nourris de Jésus qui est la parole faite chair, Jean chapitre 1 verset 1, donc cette parole qui est sagesse personnifiée, elle va te communiquer la vie à tes os, la vie à ton cœur, la vie et la force pour continuer de l'avant. Alléluia. Esprit de force, esprit d'amour, esprit de sagesse. C'est pour ça qu'il te dit encore au verset 6, ne l'abandonne pas. Est-ce que je peux voir vos paroles? Est-ce que je peux voir vos Bibles? Est-ce que je peux voir vos Bibles? Montre-moi ta Bible. Sois fier de me montrer ta Bible. Il y en a là, ils sont gênés parce qu'ils n'ont pas de Bible. Tu es embarrassé. Si elle est sur ton portable, gloire à Dieu. Et maintenant, cette parole, montre-moi ta parole. Serre cette parole sur ton cœur. Serre cette parole sur toi. Et dis, je vais chérir cette parole. Je vais aimer ces paroles. Je ne vais pas l'abandonner. Je vais la garder. Je vais marcher avec. Je vais la saisir dans mon cœur. C'est notre décision et notre positionnement avec la parole qui va faire l'effet dans ta vie. C'est ça qui fait la différence. Entre celui qui évolue vite, celui c'est une fusée spirituelle, et celui-là, il est là depuis 10 ans, il entend les mêmes enseignements, les mêmes prédications, il en est encore au lait. Tu es encore au lait, tu devrais être à la nourriture solide. Qu'est-ce qui fait la différence? L'écoute de la parole. Alors, j'avance parce que sinon... Psaume 19, verset 7, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. La personne la plus bête au monde, la plus méchante au monde, par la parole de Dieu, peut le transformer en être le plus sage. Ça, c'est la puissance de Jésus-Christ. Ça, c'est la puissance de l'Esprit. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a été envoyé du ciel. Alléluia! C'est pour cela que Jésus a opéré dans la parole. Et Jésus a opéré dans la sagesse. Il y a des gens qui vont venir s'opposer à toi. Il y a des gens qui vont venir te combattre. Il y a des gens qui vont vouloir te salir. Tu sais ça? Au travail, des gens qui te font des problèmes. Mais est-ce que ce n'est pas arrivé à Jésus? Est-ce que Jésus n'a pas eu des opposants? Jésus a eu des opposants, oui ou non? Il a dit, mais si on a persécuté le maître, on vous persécutera aussi. Alors ne t'étonne pas de ce qui se passe. Mais maintenant, Jésus avait la sagesse pour répondre aux opposants. Alors nous voyons... Les opposants, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, ils venaient. Et ils allaient voir Jésus. Ils disaient, oh, on va trouver une occasion pour le, hein, pour la voir. T'imagines des gens là qui te traquent et tout comme ça. Ah, c'est dur. Hein. Jésus les aimait. Jésus leur enseignait la parole. Jésus voulait qu'ils se remettent dans le droit chemin. Mais eux là, tout ce qu'ils voulaient, c'était la perte du Fils de l'homme. Mais vous étiez en train de parler à Dieu sur terre. À Dieu sur terre. Faites chair. Alors leur dit, ah. Ah, Jésus, viens voir, hein, avec les Hérodiens, donc ceux qui travaillent avec le roi Hérode, marchaient avec le roi Hérode. Bon, alors, sur cette pièce-là, à qui on doit payer le tribut? On doit le payer à César ou est-ce qu'on doit le payer à Dieu? Oh là là, quel... Jésus. venez comme ça embêter Jésus. Jésus a dit, hey, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est le monde le connaît. Parole de sagesse. Ils ont fermé leur bouche, ils sont partis. Caca, caca, caca. Ils sont partis. Que Dieu te donne une sagesse pour répondre.
une sagesse surnaturelle pour répondre à tes détracteurs sur le monde du travail, dans le monde des familles. Pas la chair. Pas « Ah, tu vas voir ce que je vais te faire, hein, si tu continues, hein, je vais te casser les dents. » Ah oui, hein, tu le dis pas, mais tu le penses des fois. Que Dieu te donne la sagesse pour répondre de manière par la grâce surnaturelle du Saint-Esprit, pour qu'ils ferment leur bouche, non par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia! Regarde ce qui se passe. Et dans la fin des temps, Marc 13, verset 11, il nous est bien dit. Quand on vous emmènera pour vous livrer, hein, on va se trahir les uns les autres. C'est ce que la Bible est en train de me dire, Matthieu 24. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous serez donné à l'heure même. Oh, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va parler à travers ta bouche. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'Esprit Saint ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont remplis de l'Esprit Saint ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent opérer dans l'Esprit Saint ici? C'est ça que la Bible est en train de me dire. Dans le tribunal, on va nous accuser faussement, on va nous dire des choses, on va dire ceci, cela. Il dit, c'est pas toi qui vas parler, t'inquiète pas. L'Esprit de Dieu va prendre le contrôle de ta bouche. Il a dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Mais plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi. Alléluia. Alors je continue, j'avance parce que... Troisième point, demander à Dieu. Comment augmenter la sagesse, demander à Dieu? Le texte, il est où? Dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 6, un verset bien connu, qui nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous simplement, sans reproche. Intéressant, hein? Et elle lui sera donnée. Regarde ce qui était dit. Il te dit, Dieu dit, mais si tu manques de sagesse, si tu opères dans un domaine, ça ne fonctionne pas. Viens à Dieu comme tu es. Ça, c'est le McDo qui dit ça. Hein. Viens comme tu es. Mais Dieu aussi te dit, viens comme tu es, sauf que Dieu, lui, va te changer aussi. Le McDo ne va pas te changer, il va te faire grossir. Oui, oui. Mais Dieu, viens à Dieu comme tu es, il va te transformer. Ça veut dire, la sagesse qui te manque, il va te la communiquer. Mais maintenant, il faut la demander simplement. Sois sincère devant Dieu. Dis dans ça, dans ce domaine-là, je rate, je suis pas bon. Dieu, aide-moi. Et alors que tu le fais sincèrement, comme un enfant, avec simplicité, Dieu dit, je te communique la sagesse. Alléluia. Je vais te donner, je vais te faire avancer, je vais t'éduquer, je vais te faire apprendre, je vais te faire évoluer. Tu vas voir. Romains 8, 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Alors je viens devant Dieu simplement en disant, voici mes manquements, voici mes faiblesses. Alors il dit, sans reproche. Le Seigneur ne va pas te faire des reproches. Il va apprécier ce que tu dis. Il va apprécier ta demande. Il va apprécier comment tu te remets en question. Et alors, ce n'est pas un père fouettard, mais c'est un père compatissant qui te veut du bien. Il veut du bien à chacun d'entre nous. Dis à ton voisin, il te veut du bien. Dis-lui. Quelqu'un d'autre. Il nous veut du bien. C'est des projets de paix et non de malheur. Un avenir, une espérance que l'Éternel a pour nous. Il dit, regarde la parole. Ma parole est là, c'est pour te donner la vie. C'est pour te faire du bien. C'est pour t'encourager. C'est pour que tu réussisses. Parce que Dieu, quel père veut que ses enfants... rate. Hein? Quel père veut que ses enfants ils échouent? Un père naturel, mais un père céleste. Ah, notre père, il est bon, il est merveilleux. Regarde un peu quand il a opéré. Et alors, là, maintenant, vois un homme qui a demandé à Dieu cette sagesse. De qui je vais parler? Salomon, fils de David, écrivain des livres des Proverbes. Alors qu'il est en train s'apprêtait à régner après son père, le roi David, l'homme selon le cœur. Alors il dort, il reçoit un songe de Dieu. Ça c'est en 1 Roi 3, 6 à 15. Et Dieu vient et lui vient et demande à Salomon, « Salomon, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. » Waouh! Si Dieu te dirait ça, qu'est-ce que tu dirais? Si Dieu te dit, « Hey, là ce soir, il y a un songe, Dieu apparaît. » Dieu apparaît dans les songes, hein? Dieu est réel. Et il te dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Qu'est-ce que tu lui dirais? Donne-moi une villa, donne-moi une piscine, 1 million d'euros. Débarrasse-moi de lui. Qu'est-ce qu'on dirait devant lui? Qu'est-ce qu'on dirait vraiment? En tout cas,
Lui, Salomon a dit, waouh, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et regarde ce que l'Éternel dit, il répond, parce que Dieu répond à la prière, à nos prières. Et il a un avis sur nos prières, il dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Waouh! Est-ce que tu aimerais que ta prière plaise au Seigneur? Est-ce que tu aimerais que... Oh, Dieu dit, juste ta prière, hein? Dieu dit, ah, ça me plaît ce que tu es en train de me demander, mon fils, ma fille. Là, tu es sur la voie de la sagesse. Alors Dieu lui a dit, écoute, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vais le citer. Verset 12. « Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. » Waouh! Mais il te dit, « Je te donnerai en outre encore ce que tu ne m'as pas demandé. » Tu ne m'as pas demandé la sagesse. Tu ne m'as pas demandé la richesse plutôt, excuse-moi. « Alors je te donne des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Ah! Toi, tu veux le million d'euros. Mais Dieu dit, « Moi, je suis le Dieu du million d'euros. Moi, je suis le Dieu de la sagesse. Si tu m'as, tu as tout. Je vaux mieux que les perles et l'argent. Si tu m'as, c'est ta vie que tu vas réussir. Tu peux avoir un million d'euros et perdre ta vie, rater ta vie. Tu peux avoir Jésus, tout réussir, tout te bénir, tu es heureux, tu es épanoui. » Alléluia. C'est la vérité. Pourquoi on voit des millionnaires se suicider? Pourquoi on voit des stars qui sont là, qui sont dans l'alcool, qui ne sont pas heureux? Alors Salomon a opéré. Et regarde, nous dit 1 Roi 4:30, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Tous les fils de l'Orient. Waouh. Et toute la sagesse des Égyptiens. Ta sagesse peut augmenter. Il faut que ta sagesse augmente. Il faut que ma sagesse augmente parce qu'elle n'a pas de limite. La sagesse de Dieu n'a pas de limite pour opérer et accomplir et avancer. Alléluia. Et alors, j'aime bien parce que dès que tu vois ce texte-là, Salomon se réveille et tout d'un coup, il y a une étude de cas qui vient devant lui. Est-ce que tu vois le texte? Qu'est-ce qui se passe? Les deux femmes qui se présentent à lui pour le bébé. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que les deux femmes sont deux prostituées, nous dit le texte. J'ai dit, ah ouais, intéressant. Et il y en a une, c'est son enfant, et l'autre, elle veut que ça soit son enfant, elle veut prendre l'enfant de la femme. Donc, ils viennent devant Salomon et viennent dire, maintenant, Salomon, regarde, cette femme-là, nous sommes là, l'enfant, il est acquis, les deux se battent pour l'enfant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'a dit Salomon? On prend une épée qu'on coupe. Prenez une épée, coupez l'enfant. La vraie maman. Est-ce qu'il y a des vraies mamans ici? Il y a des vraies mamans. Toi, tu vas laisser ton fils mourir. Tu as dit non. Que cette femme parte avec l'enfant. Il n'y a pas de souci. Ça me fait trop mal aux tripes. Mais l'autre femme a dit, ah mais coupons l'enfant. Il sera ni à toi, ni à moi. Quel type de méchanceté ça? Quel type de méchanceté là? C'est grave quand même. Mais laisse l'enfant des gens tranquille. Mais ça montre l'état de cœur qu'un homme peut avoir, qu'une femme peut avoir. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, il a opéré Salomon dans une parole de sagesse. Il opère dans la sagesse, mais particulièrement par une parole surnaturelle qui venait du trône de Dieu. Parce qu'il y a la sagesse humaine, la sagesse où Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais aussi la sagesse spirituelle, la sagesse de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Ésaïe, chapitre 11. Mais maintenant, dans cette sagesse que Dieu donne, il peut avoir le don de la parole de sagesse qu'il y a en Corinthiens, chapitre 12, qui dit, dans un instant donné, Dieu te donne une solution à un problème. C'est comme ça qu'a opéré Salomon. Salomon a opéré dans la sagesse. Jésus a opéré dans la sagesse. Et plus la sagesse sera sur toi, plus tu vas pouvoir aider les gens autour de toi. Tu vas pouvoir conseiller, donner un bon conseil pour aider ton frère, pour aider ta sœur. Parce que je vous assure que la plupart du temps, en fait, Dieu opère à travers le conseil. Dieu opère à travers les relations. Dieu opère dans ces situations de la vie de tous les jours. C'est très intéressant. C'est pour ça que c'est une qualité fondamentale. Mais il faut que j'avance. Il faut qu'on avance. Quatrième point,
Ouf, celui-là, vous allez l'aimer, celui-là. Accepter la correction, savoir se remettre en question. Est-ce que tu es quelqu'un qui accepte la correction? Est-ce que tu es quelqu'un qui te remet en question ou tu as toujours raison? J'ai toujours raison, les gens ont toujours tort, moi j'ai raison, il faut m'écouter. Est-ce que tu connais des gens comme ça? Hein? Il y a des gens comme ça. C'est terrible, hein? Tu peux leur parler, non, ils n'écoutent pas. Proverbe 21, chapitre 11 nous dit, regarde, quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Alors j'ai commencé à réfléchir sur ce message, sur cette pensée, sur ce verset, et l'inspiration m'est venue et la compréhension de ce verset. Qu'il y a trois catégories de personnes. Et dans le monde chrétien aussi, il y a trois catégories. Il y a le moqueur. Le moqueur représente le méchant. Celui que tu parles, ça ne sert à rien. Tu le reprends, il va te haïr. La Bible dit ne reprends pas le moqueur de peur qu'il te haïsse. Donc il y a des gens, ils sont tellement butés dans leur manière de fonctionner, ils se moquent des gens. Quand tu les reprends, ils disent « Ah, mais toi, tu ne sais pas rigoler, il faut savoir rigoler, plaisante un peu. » Alors qu'on voit qu'il y a une opposition entre la sagesse et la moquerie. Une opposition entre la sagesse et la folie. Mon frère, ma sœur, arrête de te moquer. Arrête la moquerie. Les moqueurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Des fois, on prend des... Il y a des choses comme ça, des textes comme ça, ça fait peur. Hein? Alors, je n'ai pas développé sur la moquerie. Mais ça devient le méchant. Et le texte me dit, mais le moqueur, il va continuer dans sa moquerie, ça ne sert à rien. Mais, deuxième catégorie, le chrétien qui est entre les deux, qui est là entre le bien et le mal, le simple, le sot ou le simple, quand lui, il voit le moqueur être pris, il dit que lui, le sot, se transforme en sage et transformé. Ça veut dire que la réprimande qui a été faite au frère, il n'a pas écouté lui, mais moi, en voyant ça, je me suis repenti. Tu changes, tu transformes, tu deviens sage par la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, troisième partie, celui qui est déjà sage, celui qui ne se moque pas, celui qui a une bonne attitude, celui qui a un bon comportement, qui a un bon conseiller. Lui-même, quand il voit maintenant le moqueur être repris, il est instruit. Et voici ce qu'il nous dit, il dit que sa sagesse augmente. Il nous dit, quand on instruit le sage, il accueille avec la science. Est-ce que tu accueilles ce qu'on te dit avec la science? Proverbe 9:9 me dit, donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut augmenter son savoir, qui veut augmenter la parole, qui veut augmenter sa réflexion, qui veut augmenter son dimension de sagesse? Parce qu'il n'y a pas de limite. En observant même les erreurs des autres, toi-même, ton onction peut grandir. Tu peux grandir de tes erreurs si tu réfléchis bien sur cette situation et en sortir du meilleur pour réussir. Mais même les erreurs des autres et les victoires des autres peuvent être un enseignement si tu es observateur. Moi, j'observe beaucoup. Parce que j'apprends. La vie est un apprentissage continuel. Il n'y a jamais personne qui est arrivé. Celui qui croit qu'il est arrivé, c'est là déjà, il est dépassé, il est perdu. C'est là. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Est-ce que tu veux être orgueilleux ou humble? Tu as entendu ces versets. Mais l'orgueil et l'humilité, ça se manifeste dans la vie. Et dans la vie terrestre, au travail, tu peux voir celui qui est orgueilleux. Tu vas voir. C'est des lois spirituelles, que ce soit pour les chrétiens ou pour que les non-chrétiens. Trois catégories. Le moqueur, le méchant. Le simple, le chrétien, le sage, le chrétien engagé, avancé. De quelle catégorie tu fais partie? De quelle catégorie tu veux faire partie? Et ça m'a fait penser à un film. Mais là, on va perdre des gens qui sont nés après 2000. Il y a des gens qui sont nés après 2000 ici? Oui. Il y a des gens ou pas? Vous êtes là ou pas, les ados? Ben maintenant, 22 ans. Hein. Ah ouais, hein? Est-ce que tu te souviens du film Le Bon, la Brute et le Truand? Le bon, la brute et le truand, la trois catégories. Ça m'a fait penser. Bon, c'est un film de 1966. Hein. J'étais pas né. Hein. Je vous rassure. Il dit, oh, Dieu, il te renouvelle comme l'aigle. Non, t'inquiète pas. Il y a des films. Alors, c'est pour ça que je veux te dire simplement que le bonheur vient à toi. Il ne vient pas à toi, il vient de toi. C'était une citation. Qu'est-ce que tu vas choisir? C'est ton attitude qui va manifester. Qu'est-ce qui va sortir de toi? Parce que le bonheur vient en toi, vient de toi. Les circonstances, les choses autour de toi peuvent aider, mais le plus important, c'est ce qu'il y a en toi, ton comportement, ton cœur, ton positionnement de cœur.
Et l'humilité, quelqu'un nous disait que l'humilité, c'est l'antichambre de toutes les perfections. L'humilité, c'est l'antichambre de la sagesse, de la plénitude de la sagesse. Qu'est-ce que tu vas choisir pour ta vie? Mais nous avançons. Et celui-là, vous, si vous avez aimé le quatrième point, alors le cinquième point, vous allez l'aimer encore plus. Hein, vous allez l'aimer. Apprendre à tenir sa bouche. Quelqu'un de sage, il apprend à tenir. À tenir quoi? Amen. Regarde le verset. Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si tu veux savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, assis-toi, écoute-le parler. Tu vas voir ce qu'il y a dans le cœur. C'est facile les versets bibliques, c'est facile de venir s'asseoir. Venir s'asseoir à l'église, c'est la base. J'ai dit c'est la base. Il n'y a pas à s'enorgueillir. Ah, je viens à l'église tous les dimanches. Mais c'est normal, ça, c'est juste normal. Mais maintenant que tu t'assois et que tu es transformé, et que ton cœur est changé, en t'écoutant, on va voir s'il y a la sagesse. En t'écoutant, on va voir. Quand tu veux voir si quelqu'un est fou, il est insensé, voir les comportements, est-ce qu'il y a dans son cœur. Mais que Dieu ne trouve pas trouvé là. Que Dieu nous trouve trouvés comme des gens de sagesse. Amen. Et c'est pour cela que Proverbe 31-36, on voit particulièrement un combat, une tension entre Proverbe 31 et Proverbe 9. Proverbe 31, la femme vertueuse. La femme vertueuse, la femme vertueuse bâtit sa maison. Hé, les femmes, vous êtes où là? La femme vertueuse, là, elles ont le ceinture de sécurité. Elles disent, bon, non, on ne va pas aller là-bas, là. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais on voit bien que la sagesse est particulièrement importante pour bâtir un foyer, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari. Tu as besoin d'opérer dans la sagesse. C'est pour ça que Proverbe 31, 26 dit, elle ouvre la bouche avec la sagesse, la femme vertueuse. Et des instructions aimables sur son et sur sa langue. Quelle est l'instruction et sur ta langue? Qu'est-ce qu'il y a sur ta langue? Est-ce que tu es une femme vertueuse? Parce que maintenant, Proverbe nous oppose la femme vertueuse à la femme bruyante. J'embête quelqu'un aujourd'hui ou pas? Je dérange quelqu'un? Alors, il nous est dit, Proverbe 9, verset 13, la folie est une femme bruyante. Et tu remarques, c'est bizarre, Proverbe prend la femme. Dans cette situation. Une femme bruyante, stupide, ne sachant rien. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu dis rien, il n'y a rien de bon qui sort de ta bouche, mais tu parles beaucoup trop. Ils disent que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu peux parler beaucoup, ce n'est pas parce que tu parles beaucoup que tu parles bien. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a cette expression, elle parle, et tu dis, oh, elle a raté une occasion de se taire. Tu vois, elle a raté. Elle ne se rend même pas compte, elle continue à parler, elle croit que tout le monde a vu que ça ne va pas. Ce que tu es en train de dire n'a pas de sens. Alors, regarde Proverbe 21-19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte que quoi? Jésus, pourquoi je suis venu à l'église ce matin? Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Regarde le désert, pense à un désert. Le lieu le plus difficile au monde. Allez, on va dans le désert là-bas en Israël. Dieu dit, il faut mieux habiter là-bas qu'une femme querelleuse, une femme irritable, une femme qui te casse la tête. Mais oui, il faut que je te parle en français. Qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être la femme vertueuse ou tu veux être la femme qui casse la tête? Alors, on va appeler un frère pour le frère là. Là, il y a besoin d'un entretien pastoral. En tout cas, que le Seigneur nous transforme, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Mais on voit que particulièrement là, Dieu s'adresse aux femmes, que dire non, ne sois pas une femme qui est querelleuse et qui est bruyante. Sois une femme sage, remplie de la sagesse de Dieu, remplie de l'intelligence de Dieu, remplie de réflexion de Dieu. Une femme qui est une bénédiction dans son foyer, une bénédiction pour ses enfants. Je parle à quelqu'un ou pas? Je parle à quelqu'un ou pas?
Sois une femme qui bénit. Ah, ton mari est heureux. Il dit, la femme vertueuse. Il dit, les enfants, ils te louent. Il dit, ah là là, que je suis béni d'avoir une mère comme toi. Tu es embêté, hein? Je suis embêtant aujourd'hui. Hein? Je suis embêtant. Allez, il nous dit, il faut savoir tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. C'est même pas dans la Bible, c'est le monde qui dit ça. Est-ce que des fois, là, il ne faut pas tourner? Parce que des fois, ça ne nous arrive pas de parler trop vite. On parle trop vite et après, on regrette ce qu'on a dit. On a dit des bêtises. Et après, il faut demander pardon, il faut s'excuser. Un homme et une femme sage prennent le temps. Ils ne parlent pas vite. Ils ne disent pas n'importe quoi, surtout dans le domaine familial. On entend des paroles. Tu parles à tes enfants. Tu es bête, hein? Tu es bête, hein? Il n'y a pas plus bête sur la terre que toi. Ah! Mais tu es en train de donner des paroles de malédiction à ton enfant, là. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, mon frère. Alors, on avance, on avance. Proverbe 30, 32. Il nous dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, si tu as des mauvaises pensées, mets ta main sur la bouche. Mets ta main sur la bouche. C'est la Bible, hein. Faut pas m'embêter à la sortie du culte. Hein. On va appeler le corps de sécurité. Ok, on avance. On va vers la fin. Sixième point. Avant que de prendre des grandes décisions importantes dans ta vie, prends le temps de consulter Dieu. Prends le temps de la réflexion, la sagesse. Proverbe 3, verset 21. Mon fils, ses enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Proverbe 8, 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la sens, la réflexion. Il y a des gens qui sont capables de prendre des décisions comme ça du jour au lendemain. Des décisions, ils sont capables de tout plaquer. Ils plaquent leur travail, ils plaquent leur femme, ils plaquent leurs enfants. Vous savez, j'avais des... Ça, c'était sur un... À la radio, j'entendais, ah oui, marié avec deux enfants. Et puis tout d'un coup, il était en train de poser des questions à l'animateur. Voilà, j'ai rencontré une femme, tout ça. Et puis, elle est mariée, elle a quatre enfants. Et puis, j'ai eu une aventure et là, je me pose des questions. Je dis, mais si elle t'a trompé avec... Elle t'a trompé, elle a quatre enfants. Mais tu vas partir avec... Tu vas casser toute ta vie. Allô? Non, mais tu vas quitter toute ta vie pour une femme qui a trompé son mari avec quatre enfants. Mais ce qu'elle a fait avec son mari, elle va faire ça avec toi. T'as pas de sagesse, tu es fou. Tu vas mettre toute ta vie en péril. Alors des gens lui disaient, mais non, tes enfants, fais attention parce qu'ils vont payer toute leur vie. Cette femme avec qui tu es depuis 11 ans, tu es là, ça fonctionne bien. Et pour une amourette, là, tu es capable de tout plaquer. Des gens sont capables de tout plaquer. Ils sont là, du jour au lendemain, je voyais des messages sur Internet. Ils disaient, voilà, jour de Noël, le lendemain, pas de SMS, rien. Il a disparu, il a pris ses valises, il est parti. J'ai dit, ah. C'est dans le monde dans lequel on vit actuellement. Mais regarde ce qu'a fait David. Lui a consulté l'Éternel, même pour un déménagement. Il a consulté Dieu. 2 Samuel 2, versets 1 à 3. Et il dit que, est-ce que je dois monter? Est-ce que je ne dois pas monter? Qu'est-ce que je dois faire, l'Éternel? Dieu lui dit, monte. Il va à Hébron. Et alors qu'il part à Hébron avec sa famille... Il est là et c'est là où est le lieu de la bénédiction. C'est là où il est reconnu comme roi. Les gens viennent le voir et l'établissent comme roi à la mort de Saül. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et Dieu, c'est ce plan de bénédiction. Alléluia. D'épanouissement. Nous avançons. Septième. Il y en a 8. Septième point. S'entourer d'amis sages et de femmes sages. Je vais te dire, poser une question. Quand tu as un problème, quand tu vis une situation compliquée, qui tu appelles pour être conseillé? De qui tu te fais conseiller? Est-ce que cette personne a de la sagesse? Est-ce que cette personne va te donner des bons conseils? Est-ce que cette personne va t'emmener sur le droit chemin? Parce que, mon frère, ma soeur, on va tous vivre des situations où on aura besoin d'avoir quelqu'un qui nous conseille. Pourquoi? Parce que malgré la sagesse que tu peux avoir surnaturelle, nous avons besoin les uns des autres. Alors, Proverbe 13, verset 20 me dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal, et que le nombre des conseillers est assure la victoire. »
Est-ce que tu as des personnes avec toi autour de toi qui sont des gens remplis de la sagesse? Tu sais que quand tu vas les voir, c'est bon. Ils vont te dire des bonnes choses. Parce que je vois que des fois, dans les destinées, c'est là où ça se joue. Des gens écoutent des mauvaises personnes. Comme Absalom qui a écouté Achitophel. Il a écouté, Achitophel lui-même s'est suicidé. Il s'est tué, je ne vais pas développer. Et Absalom lui-même, ça a fait sa perte, il est mort. Parce qu'il avait des mauvais conseillers. Soyons entourés de bonnes personnes pour nos conseillers. Alléluia. Choisis bien tes conseillers par la grâce de Dieu. Je finis avec le dernier point. Bien sûr, c'est le premier point, mais que j'ai mis en dernier, c'est se convertir à Jésus-Christ. Parce que accepter Jésus, c'est recevoir l'esprit de la grâce, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement. L'esprit où quand tu as accepté Jésus, tout de suite, il y a des choses que tu ne faisais plus naturellement. C'était des choses que tu aimais, que tu appréciais, mais avec l'esprit de Dieu, tout d'un coup, tu dis non, je ne peux pas faire ces choses-là. La folie, c'est de croire que Dieu n'existe pas. La folie, c'est de croire que c'est tout le monde a été créé de rien et la vie n'a pas de sens et on va tous au néant. C'est la folie. C'est la folie. La sagesse, c'est déjà de reconnaître que Jésus est vivant, que Jésus est Dieu, que Jésus est la lumière, que Jésus est la parole, que Jésus est mort à la croix et ressuscité pour moi. Je peux venir tous les dimanches ici, entendre ce message et ne pas le recevoir, ne pas te convertir. C'est la folie. Mais Dieu aujourd'hui t'appelle à être sage. Et alors qu'il y a eu le mois des Lumières, tu te souviens le siècle des Lumières qui a révolutionné un petit peu notre société avec ses philosophes, Spinoza, Descartes, Newton, et ils ont fait un impact dans la société par la philosophie. Je veux te dire que le siècle des Lumières, qu'ici il y a plus que le siècle des Lumières, mais il y a la lumière du millénaire, la lumière qui éclaire le monde, qui s'appelle Jésus-Christ, qui est le plus grand des philosophes du monde, car c'est lui qui est la sagesse personnifiée, en Proverbe chapitre 8 qui est parlé. Lui éclaire ton cœur, éclaire ton âme et te transforme totalement. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur, nous lever et prier? Alors nous avons tous la possibilité de rentrer en contact avec Dieu, alors je t'invite à fermer les yeux. Rentrons simplement dans sa présence, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de discernement, esprit de révélation, esprit qui révèle le Père, Abba Père. Et aujourd'hui, l'Éternel t'interpelle, la sagesse t'interpelle, la sagesse divine te dit, mais si toi-même tu ne crois pas en Jésus, c'est la folie, c'est la perte de l'éternité, c'est la perte sur terre. Non, quel intérêt? Jésus vient pour te sauver. Jésus vient pour te transformer. Jésus vient pour te libérer. Par cette lumière, il veut éclairer ton cœur. C'est pour cela que je veux, alors que tout le monde est en prière, au plus profond de toi, prie. Ou prie pour ton frère, prie pour ta sœur, prie pour l'Église. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui veut accepter cette lumière? Qui veut accepter la sagesse faite chair? Qui veut se réconcilier avec le Père par Jésus-Christ? Si c'est ton cas, je t'invite simplement à lever la main où tu es. À lever ta main là où tu es. Je vois ta main. 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 Y a-t-il d'autres mains encore qui veulent? C'est le plus important que tu peux faire dans ta vie. La sagesse. Je vois ta main encore. Je vois ta main. Et l'Esprit travaille les cœurs en cet instant. L'Esprit de Dieu travaille les cœurs en cet instant. L'Esprit de Dieu travaille les cœurs. Y a-t-il encore une nouvelle personne? Et je vais prier simplement. Que Dieu soit loué. Je vois vos mains, jeunes gens. Que Dieu vous bénisse. Faisons cette prière tous ensemble. Prions et disons, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. Car tu es la lumière qui vient éclairer mon cœur. Je viens t'accepter en cet instant. Comme Seigneur, comme Sauveur, touche ma vie et transforme-moi pour la gloire du Père. Amen. Restons dans la prière. Et maintenant, alors que l'Esprit t'a peut-être indiqué un domaine dans lequel tu dois prier, peut-être c'est pour le service, avoir cette sagesse, peut-être que c'est pour la maison, peut-être que c'est pour les enfants, mais je t'invite, comme il est dit au point 3,
Celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je t'encourage simplement là où tu es à faire une prière sincère devant Dieu et à élever ta voix, à dire: Seigneur, dans ce domaine, aide-moi, communique-moi la sagesse. Sans reproche, tout simplement et avec foi, je t'invite à prier pour toi-même. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit de sagesse. Esprit de réflexion. Esprit de transformation. Esprit de renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et nous prions en cet instant, entends nos prières qui montent vers toi et que ces prières te soient agréables. Elles sont agréables maintenant, car nous voyons, tu vois nos cœurs qui sont vrais devant toi, afin que tu puisses, Père Céleste, nous aider. Aide chacun de tes enfants en cet instant et arrose ta parole par la prière. Merci de le faire comme un bon Père qui prend soin de chacun d'entre nous par cette sagesse divine et surnaturelle envoyée en Jésus. Merci Seigneur. Nous disons ensemble Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Ça va, Randy? Alléluia. J'espère que tu es prêt encore une fois à déclarer avec nous que Jésus est couronné vainqueur. Amen. Que Jésus est couronné vainqueur. Alléluia. Tu combats pour nous tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce, je vis, j'existe pour t'adorer. Et quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce, je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, ensemble. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Yes. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Alléluia, Jésus a triomphé du monde. Yes. Sans relâche, tu intercèdes ensemble. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu. Tu ne seras jamais vaincu. Car tu es couronné vainqueur. Yes. Oh Jésus, tu es le meilleur. L'espérance du monde entier. L'espérance du monde entier. Par ta grâce, je vis. J'existe. Yes. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Jésus, tu as triomphé. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu
vainqueurs, les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Ensemble, allez. Les forteresses tomberont, et les hauteurs qui se dressent devant nous s'abaisseront. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es encore vainqueur. Les forteresses tomberont, yes. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Jésus, tu es couronné vainqueur. Alléluia. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, car tu es couronné vainqueur. Oh, Jésus. A triompher pour nous. Alléluia. Alléluia.